Les visages du temps, poésie astérisque 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 The Project Gutenberg et Text of Les visages du temps, poésie by Huguette Bertrand, 1942 langage, French, HTML édition released, February 2002 astérisque astérisque This is a copyrighted Project Gutenberg et Text. Astérisque astérisque copyright symbol copyright 2002 by Huguette Bertrand première partie les visages du temps tellement loin tellement proche quand ça fourmille d'habitude de grimaces entortillées autour du présent ça remonte et ça descend des rivières infinies frôle les astres dans l'immensité du cœur ces musiques d'accords brisés fragments d'un noir soleil répandu sur la peau des fleurs rosées matinales sur le visage toujours révélé par le frisson des pas absents cette fin d'hier soulève les heures mortes caressent le contour des saisons quand tout commence à frémir dans ce gel du temps gel de nos temps racoleurs s'agrippe entenaille les désirs désirs de retrouvailles des premiers sons de la terre me transportent sur leurs vagues dérives sur une lumière au gré des mouvements tendres fulgurants m'empoignant me ramènent sur des grèves impossibles vibres de mots naissants vont me perdre dans le silence à tout jamais naître dans le giron des couleurs nues les points endormis entourés d'une paix naissante bien avant le geste amoureux déjà tendu vers l'autre d'où vient cette soif que les jours n'abreuvant pas tant et si dense le chant des sens en ce costume que porte la vie sur la scène de tous les drames conjugués aux comédies en volute danse sur les jours si dense cette science du silence à coups de griffes la vie folle bleue se promène dans les noirceurs déshabille l'âme sur un vieux lit défait viole les heures tendres dérive sur l'errance déchire le ciel ses lambeaux avalés par la mémoire le corps à l'équinoxe bouscule les mots puisés sur les lèvres de mai jusqu'au rêve fané de décembre si tendu si les ailes te poussent rose de nuit la lune te semblera ailée la nuit te portera vers des étoiles à faire craquer le cœur si tendre si doux si tendu au tendu du temps plein silence note après note une musique appelle le mot d'amour échoué à contre-jour devant une porte close à double tour enferme la farandole d'année nantis dans le néant enferme les notes enferme le mot enferme le jour danse autour effleure la lune son silence fonte ce ciel d'avril lance ses éclaboussures de soleil fondant sur mes âges fragiles j'ai 1000 ans peut-être même plus. Je ne compte pas mes pas d'un temps défini. Je préfère l'infini, l'ailleurs, l'innombrable. J'erre au-delà des habitudes. Je parle en langue svelte, langue incontournable des émois lancinants. Un lancez-moi, une plateforme pour les âmes habituées au silence. Lancez-moi par-dessus bord et je ferai 10 vagues à Kepele. J'accaparerai vos émois à en faire sauter vos fusibles. Sans doute qu'il fera noir. Mais le noir, ça n'a jamais tué personne. S'il n'y avait pas de noir, on ne pourrait le comparer au blanc. Pellicule renversante plongée dans l'onde d'une âme multiple en tournée dans le sens des aiguilles. Ne laisse aucun repos dans le lit des indépendances. Ne laisse aucun choix d'approuver ou de désapprouver. Ne laisse passer qu'une infime lueur à travers le voile opaque de la peine heureuse. Ne reste qu'à parler du silence têtu à travers le grillage des interruptions des absolus dans ce rêve infini d'images de sens livrés au sens un silence de mort prématuré rassembleur de fausses monnaies inspire liquide mieux vaut s'émer de l'herbe que de s'émer de l'eau le végétal comme une douleur plongée dans l'oublié liquide sans importance sans connaissance mystère des bêtes à paroles drôles de bêtes emprisonnées dans des corps trop lourds. Prisons humaines dans le jouissif des séductions, éclatent en moments insaisissables, s'écrivent et fusent essentielles à travers le voile du non-dit. Fuse la paix des linges transportés par les marées, fuse les marées silencieuses jusqu'à l'intime des solitudes, fuse la solitude parmi les lueurs de la beauté, fuse la beauté des langues apprises dans le secret des complicités, fuse la complicité des mots approuvés par le désir, fuse les désirs jumelés aux verbes entretenus, fuse le verbe fermenté dans l'écho, dans l'espace, dans l'extase, plage sage dérive des eaux jusqu'aux lèvres abandonnées à l'ivresse des plages dérive des mots vers les sables.
Mouvant de la chair invisible dérive du temps ses mouvements ondulés par le cœur accueilli dérive des mains sur la lune offerte au vertige des mots frôlement drôlement au jardin des prononciations une parole remue la terre creuse des sillons sème des signes vertigineux quand la main frôle l'instant errement les vertiges parcourent les nuits ondulées vestiges des mouvances d'une lune ancienne délaissée sur la page des enchantements à l'écran l'errance quand les battements sont de rigueur le convenu devient obscène de nulle part de partout la langue viole l'indicible se moque des chastetés intelligibles en ces moments d'ablution sous-marine sous-jacente emportée dans ce remous des voix caressantes donne du sens au sens dans les parfums que répandent les cris à l'infini des courbes les odeurs du silence rampent jusqu'à l'essentiel encerclé par les instants d'une surface démesurée espace des transfigurations ressemblance en leur chaste tutoiement les salles toutes absentes. Jusqu'au quai des emportements où la vague s'obstine touche ce coup prononce la courbe du corps des mots dans l'espace hume le parfum des cris poreux longs comme le jour un baiser se prolonge dans l'interdit croise les langues perdues dans ce lieu fluide des rapprochements entre guillemets perdus dans les forêts du nord, les secrets glissent dans le silence, accordés au bruit d'un big tone, dans une chambre errante et entre les errances, s'absorbent, dérivent sur les jours. Entre guillemets repose me repose sur un temps démesuré me projette sur l'aube d'un regard nu le ventre aspiré par les battements fluides du va-et-vient des mots en ce nom dit de l'existence insatiable monte le silence des nuits enchante le contour des jours crus rose éveillés la chair se conserve dans le miel et le blanc des mots réinventés promesses utopie crus rose rapte quand le printemps bouge traverse la sphère en son délire ses errances au cœur l'instant et l'ombre la regarde sous. Sa nappe brillante comme le jour ressuscité la regarde à travers la main qui tire les mots hors de l'ombre cette main ensoleillée pose ses empreintes au cœur de l'instant verse des lumières effervescentes sur l'horizon devant la mer enroule les jours autour du corps dressé les écrits la déplie la fibre suit le mouvement des vagues dérive le paysage en sa nuit le temps abolit les nuits me déporte dans l'absurde les matins me transportent sur les dunes les déserts me reconnaissent les étoiles. Aussi j'efface les habitudes, les croix incrustées dans les sables du temps en mouvement, je plonge à vif dans mon or, me soumets au prolongé des heures dans l'eau, dans le vent, dans les cris devant les oiseaux étonnés, tracés dans le suivi du mouvement, des murmures renaissent, toujours renouvelés malgré l'absence, dans ce jus humain comme un rappel de nos ressemblances. Dans sa fureur l'être caresse la matière vibre à travers la couleur des émois retenus redépose sur le corps embrassé une lumière entrevue écho fluide d'une renaissance fécondée dans le mouvement d'une tendresse infinie elle s'en retourne aux abois sur le tracé invisible d'une mémoire vive prononciation les mots me parcourent dans tous les sens par ma démesure toujours me ramène à l'essentiel ce ne sont pas que des mots c'est une parole qui se prononce dans le prononcé de l'être c'est une. Mémoire en mouvement me déchaîne, me renvoie au silence, me reprend, me projette entre les failles des murs au menu de l'interdit sous-jacent rend s'écouler une montagne écoute les plaintes d'un monde éclaté douce violence douce présence d'où est l'écho souvenu trop forte chose trop forte dose œuvre les désirs en ce silence phosphorescent pacte impact lié au blanc originel une absence entre l'histoire cache ses échos sous la langue renouvelle la couleur du vivant s'écouler de lumière. Déversé sur des montagnes de silence projette sur le tableau l'image d'un champ immobile sueur d'enfance à même la vie les petits esclaves que la cupidité soustrait de leur enfance ne chôme pas de leur âme perlant des sueurs sur leurs rêves désenchantés ils rampent vers leur nuit abandonnés à l'espoir d'un simple sourire au cœur de leur émoi contact des poussées de violence contenues dans un tout petit rien primaire s'épelle sur quelques lignes partagées éclatent sur les jours sans. Fracasser les fenêtres consentement à la vie folle la folle vie toujours transporte nos aujourd'hui dans les ailleurs quand les ailleurs ne portent plus la vie à son meilleur enferme le trou dans son égo retrouve la vie d'ailleurs l'ailleurs la vie follement consentie trilogie sarcastique end a one vomir la vie rêver l'amour autour des nuits renverse les jours des alentours retire l'amour retire la vie la mort s'ennuie salut bonjour ne reste que mots d'amour rêver de nuit toujours en vie la vie des
Mort que je salue dans l'aujourd'hui end à tout ceci est un poème mort de sa belle vie enterré dans l'humour des alentours qu'il en soit ainsi de l'amour de la vie de l'humour pour ma nuit à mourir de rire end à trimanigansri en ce début de jeune nuit la poésie m'assaisonne de mots pour enjoliver la tristesse des abandons déploie ses ailes fluides sur mon âme insipide et gelée se grise se brise sur le rocher des fuites oubliant de se payer une cuite bleue fraise et fluide l'éclat des feux. Des orages de la nuit sillonnent les jours rouges fait place au bleu frais fluide d'Eric Mensmans toujours s'inspire au passé, s'amalgame au présent, délivre l'instant ce vertige indomptable agrippé à l'écho des cendres, traverse le ciel endommagé se transmet fluide à travers les éclats de vide, le plein d'essence, l'essence abreuvée à la source des couleurs toujours fauves des mots transfigurés le temps s'étire le temps chavire en ces jours nonchalants qu'un hiver attend chaud et collant. Sous l'apparence des dehors desséchés les heures lèchent les aisselles d'une mémoire ruisselante lance le jet des douches réclamées par la passion des amours habités plongés insoutenables regards traversés par les jours cette emprise invisible que transporte la parole en eau vive de l'ivresse de la chute en plongée jusqu'à l'être en remous en silence en sourire transporté par le vent vers ce lointain regard recueilli symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand d'épaule égale barre oblique octobre 1999, 61 p. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-92-18-18-16-7, tout droit réservé les visages du temps, poésie de Huguette Bertrand, deuxième partie, Ondre belle amie des ondes à l'ombre traverse le pays du cœur, l'échine redressée en ses douleurs que des rires inondent en secousses rythmées quand les doigts en rappel tapochent un clavier connecté aux ondes affranchies et rebelles, 16 juin 1999, oriflamme rouge feu flambeur de jour comme de nuit l'appel du large espoir. Lance des oriflammes sur le cœur empoussiéré retenu dans l'égout à genoux sur un pou gris 24 juin 1999 le dit de l'inédit tellement humide la vie tellement fluide la vie accrochée aux espaces de nos quotidiens tellement quotidien la vie parmi les miettes de nos espoirs sous-cutanés espoir toujours humide à travers le fluide d'un espace quotidien le tien le mien répété à tout jamais 6 juillet 1999 dans l'ondulé des ondes fascinant les souvenirs rempli de haut et de bas d'éclats de rires de pleurs de grincement de dents de grincement de cœur sur une balançoire tantôt vers le haut tantôt vers le bas quand toujours la vie en émoi se laisse vivre sur les ondes partagées à même les jours ondulés 17 juillet 1999 phénix amoureuse la mort se venge dans les cendres du désir cendre cruel cruel désir soulève les cendres soulève les ailes l'oiseau debout issu des cendres transcende l'amour la mort au bec retour aux cendres un cri d'oiseau 2 août 1999 dans et danse devant le spontané du visage le temps se fait danse autour des heures guide nos pas danse et danse les visages désirés autour du temps se rapproche du hasard étonné désir fulgurant par moments improvise et dirige les regards juxtaposés 4 août 1999 essentiellement à travers mots et dire les jours se rapprochent de l'essentiel s'excite sans maudire le sud quand le corps sonore d'une danse sonore danse son or 1er août 1999 visage du temps quand les visages s'agrippent autant le temps se crispe le temps me souffle. Désir au bout d'un cri d'oiseau m'accouche sur une surface bleue libère quelques mots gris à la croisée des larmes et des rires un visage éperdu s'étonne se moque du temps il se repose 3 août 1999 solo solitaire la mémoire du cœur reprend son souffle se réserve des rencontres d'un mot à l'autre apprivoise les continents s'embroncher 6 août 1999 ménage d'automne sortir l'âme de son présent la dégraisser au varsol la passer au savon du pays des songes la secouer violemment de toute trace. Amoureuse la faire sécher sur les heures puis la voir disparaître dans une nuée 7 août 1999 d'où en nous songe d'où ça coule de partout le sang les pleurs agonisent sur la lèvre inférieure 14 août 1999 requiem pour une dent de sagesse sigille la dent apprivoisée par un dentiste de l'avoir soulagée de quelques dollars à faire dérailler les mots abandonnés à leur sort 14 août 1999 élémental vertement dressé la table d'émeraude invite l'eau, le feu, le métal et le bois sous la lumière unique portée par le
Vent la pluie en nos êtres démesurés 20 août 1999 jumelage sur l'étendue captive de nos différences des pensées s'égrènent éperdues de lumière comme des enfants s'offrent d'une rive à l'autre 20 août 1999 goutte vague mortellement une goutte d'eau plonge dans la vague éternelle du mouvement s'enroule autour des désirs caresse les pas sur les plages amoureuses balayées par le temps qu'un simple souvenir vient éveiller en nos cœurs doux délire retenu toujours en émoi 26 août 1999 lapis. Lazuli de la pile à jolie de ce tableau l'abondance inonde la galerie montre la détente quand la femme déborde d'elle on la préfère offerte sur le mur des insolences on la pense on la trie propre on la tripote on la nomme chose sacrée on la projette dans l'instant mal 26 août 1999 à un peu de nous un peu chaque jour l'âme sous la pierre humide se déchaîne s'enchaîne aux corps étranges tellement lointains glisse sur la rivière de ses rêves tellement tout proche de la vie des alentours toujours trop. Lourd en silence verse l'amour dans ce poème délivré 27 août 1999 bleu tendresse à travers les bruits du corps une berceuse accuse le fleuve ses horizons se parfume à l'eau vive de la tendresse répand les frissons sa berce bleue ça frissonne en noir ça se perçoit comme une présence parfumée à l'amour pour l'illusion la main sur le cœur devenu silence 28 août 1999 les passantes trois petites misères se promènent sur les toits gris de la ville s'arrête ça et là à l'orée des cheminées grignote sur la table des invités quelques paroles débiles sans formalité progressent vers des sentiments lointains entrevus par le bout de la lorgnette du cœur borgne 29 août 1999 l'innommée elle ne se nomme pas. Elle est tout simplement de passage dans un instant qui n'a pas de nom. Elle se prononce dans une parole devenue insaisissable. Elle est insupportable devant tous les cerveaux qui font bombance. Elle se répète toujours dans le multiple en ses différences. Son frère se nomme silence, sa sœur se nomme absence. Cependant, elle ne sait pas se taire. Sans cesse se heurte à des coïncidences qui, de plus en plus, creusent le vide devenu immense. Elle soulève des blancs, y appose une parole, et ne la reprend jamais. Elle révèle tous ses secrets dans une seule parole répétée. Elle est captive dans l'instant, existe pour la forme, bien évidemment. Elle sécrète des mots qui prennent sa forme, toujours puisés dans cet instant. Elle ne sait faire autrement. Elle devient mirage dans l'imaginaire de qui la voit. Par le regard, on croit parfois la reconnaître sans la connaître. Elle ne dit rien. Elle sait, sans savoir. 29 août 1999 chaudement l'argile au commencement était l'argile puis le centre à rechercher minutie du geste regard posé sur le mouvement des formes arrondies dans le feu air sans fin intouchable en ces bruits insondables en ces nuits impénétrables visage à l'abri des extases dérive sur le bleu de la matière matière fluide sans cesse renouvelée vibre s'infuse à même la terre partagée 15 septembre 1999 fissure un ciel rouge orange orange feu m'éclate en pleine figure court moment d'envol vers le figé des gestes. Carpente un chaud regard circulaire à peine quelques traces sur la neige imprimée dans l'âme d'un bleu boréal moments inviolables projetés dans la fissure des mots du 16 septembre 1999 césure propulsée sur le fondant de l'horizon un mouvement interdit plonge dans les braises de l'âme cancer un doux regard interrompu par la violence des flammes apaisées par le lointain de la surface chaude d'un ventre imaginé 17 septembre 1999 la vie avide d'un regard une fuite un train d'enfer roule sur les parois d'un vide infini projette sur d'autres regards des moments doux et chauds toujours éphémères 17 septembre 1999 parcours à l'horizon un murmure soulève une tempête de braise toujours aperçue dans un regard exilé sur la piste infinie de l'être dévoré par les mots toujours en marche dans le tracé fluide de l'instant 17 septembre 1999 bleu de présence derrière le voile une présence s'immisce dans le feu des mots sous la peau sillonne les prés de la mémoire s'apaise aux commissures des lèvres qu'un souffle anime dans la
fange des aurores abreuvées à la source de l'écume que les vagues transportent jusqu'à l'angle des corps inaltérables, inaltérés et déchirés. L'histoire se faufile dans le blanc d'un prénom absolu. 24 septembre 1999, symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand, dépôt légal / octobre 1999, 61 p. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-921818-16-7, tout droit réservé. Version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada http://collection.nlc-bnc.ca/100/20/30/huguette-bertrand/visage/visage1.html. Site personnel de l'auteur / The Authors Personal Website, espace poétique de Huguette Bertrand, http://www.espacepoetique.com. Plan du site /map site, http://www.espacepoetique.com/pod/map.html. Courriel /email. Huguette Bertrand @videotrone.ca End of the Project Gutenberg e-book Les visages du temps, poésie Update editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. Si paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronique works. Si paragraph 1.E below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax.
The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BEHAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as you send sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt date/oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à cette force in section 3 below. 1.F1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you receive the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael Essar was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. The full Project Gutenberg license.